Hey, salut Karim. Salut. Alors on est là pour uh, la suite, pour une capsule, s'il te plaît une capsule capsula. de <laughs> capsule là. For na, na, a capsule. Une question qui se pose. Na, oui. Karim. <laughs> c'est quoi le business model C'est quoi ah, un business model la, 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 la. Le business model, c'est quoi Mais c'est très simple, Karim. Le business model, c'est un outil stratégique. Beaucoup de gens croient que le business model canva va. Je crois, vaille. Il croit vaille que le business model Canva, c'est simple, un simple tableau qui permet de faire une abstraction de l'esprit humain euh, pour désigner qu'est-ce que tu fais toute ta journée pour faire ton business. OK. Non, non, non. Attention, attention, attention. Le business model Canva est un outil stratégique. Alors, très intéressant parce qu'on a parlé du design thinking la dernière fois on reviendra ouais. pour parler des blogs différents, comme pour le mode business model parce que c'est trop court trois euh, minutes. Très intéressant. Rappelez-vous très bien que tout ça a démarré euh, d'une façon sérieuse, comme on les connaît aujourd'hui, en même temps en 2007. Donc, ce qu'on retrouve dans le design thinking, on le retrouve aussi dans le business model. Alors, le business model Canva, le BMC qui est bombeoïdé comme Bécheroufoucom, euh, ce n'est un outil stratégique. C'est tout. Et je rappelle qu'il y a plusieurs modèles de business model. Okay, Canva. Exactement. Celui dont tout le monde parle et qui est vulgarisé, c'est celui de Strategizer, qui a été donc du coup vraiment. C'est le résultat d'une thèse de doctorat en 2007, ouais. qui, qui a été la première fois utilisée pour former des gens, c'est en 2008. Donc un en même temps, donc c'est Et nous avons un expert algérien du business model Canva. Je euh... connais. Coli euh, oui 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 c'est vrai mais il y en a plein maintenant il y en a plein Monsieur Colli salut si tu nous si tu nous suis ouais, euh, salut à nous Donc du coup euh, juste pour pas se perdre donc le business model Canva, c'est quoi c'est un Canva qui va vous aider à mettre en place une stratégie dans une logique de start-up quand vous voulez Richet quelque chose qui s'appelle le Market Product Fitting. Thinking. Donc à un moment donné, tu as les clients avec as besoin d'avoir une stratégie. Le Business Model Canva, il te que tu la stratégie. C'est où le bouton pour que tu ralentisses un peu parce que je t'accorde un peu plus de 3 minutes. C'est quand même un sujet. Un non, peu. non, je reviendrai bloc par bloc. Donc le Business Model Canva est un outil qui va vous permettre de mettre en place toute la stratégie nécessaire. Pour faire fonctionner votre business sur le marché. Quand on dit marché, il y a le client, il y a l'offre. Donc, toujours ça, vous démarrez par le client, allez vers l'offre de valeur que vous allez mettre sur ce marché. Donc, votre produit, votre service. Et à partir de là, vous devez répondre à deux grandes questions. Qu'est-ce que je fais en permanence pour produire, faire de la production ou de la servuction de mon produit ou mon service? Et la deuxième question auquel vous allez répondre avec votre business model Canva, c'est qu'est-ce que je fais de toute ma journée pour pouvoir vendre ce, ce produit ou ce service sur le marché? Et notamment Comment je gère ma relation avec mon client Exactement. Il te permet de voir les neuf les grands blocs qui Moi, je les ordonne toujours comme ça Un, Ton client, ton segment 2. Ton offre de valeur 3. Euh, tout ce que tu fais comme activité 4. C'est quoi tes ressources 5. Qui sont tes partenaires 6. Quelle est la relation que tu as avec tes clients 7. Quels sont tes canaux de distribution 8 comment tu commercialises tout ça, fais rentrer, donc le, le revenu est neuf, ça t'a coûté quoi pour faire tout ça Exactement. Voilà, grosso modo, qu'est-ce qu'un business canva C'est une grande picture dans le temps, d'aujourd'hui, dans le futur, euh, comme des jeux d'échecs. À chaque fois quelque chose qui va se passer, vous avez votre business model canva, de votre stratégie, qui vous permettra d'être un PF, un market product fit, et surtout, surtout, atteindre la fameuse scalabilité de la startup tant recherchée. Voilà mon ami. Juste un petit peu avant d'arriver à atteindre la scalabilité, parce qu'on reste aussi sur la partie un peu plus théorique, l'avant-projet, avant-réalisation, ça permet aussi de modéliser sa structure ah, oui, de oui, coût, oui. sa structure de revenus, tu vas Exactement. pouvoir appréhender comment tu dois, comment ton argent va se dépenser du coup et comment ton argent va être gagné, en tout cas de quelle manière. Hein. C'est right. quand tu l'auras right. défini. Un autre élément aussi très important, c'est à la lecture, l'organisation de tout ça, donc le fait que ça te permette d'organiser tous ces points de manière un peu plus structurée parce que tu les as dans la tête mais tu es un peu brouillon, tu ne fais pas les choses. Mais quand tu les mets en face de toi, tu commences à appréhender aussi les fameux points de risque, les Exactement. points de failure. Là, je risque d'avoir un Exactement. problème. Là, si j'ai pas deux, trois partenaires, je suis en danger. Il vaut mieux que je j'aud source ou que je exact. récupère ou que je prends en charge de moi Donc ça te permet aussi d'avoir une visibilité un étage au-dessus. Exactement. Hein, exact. Disons ça comme ça. Que ce soit pour modéliser... Tu fais de la stratégie. Donc, tu fais de la stratégie après et ça c'est magique. Mais ce qui est cool c'est c'est de la stratégie pour non-stratège. C'est absolument, ça, ce modèle, absolument. Il vous permet de, de prendre en compte plein de choses que vous ne prendrez pas en compte. Si vous ne les mettez pas tous en face de vous. Voilà et je vous raconterai la prochaine fois l'histoire de du, mmh. euh, comment ça a commencé le business model. <laughs> Allez, salut, Ro, merci beaucoup, c'était génial. Tu nous fais un petit bye-bye. C'était la capsule 2K Error définition, nananana business model, Canva. <laughs> Ciao.